Coucou tout le monde, c'est moi et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de Inazuma Eleven Go Galaxy avec un invité très spécial, le Sonic Feufeu. Bonsoir, bonjour. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Ouais, c'est ça, bonsoir ou bonjour, on s'en fout. On va aller faire un match ici. C'était la route du Cap. Oh mon dieu, oh mon dieu. Que des B, hein, ça commence bien. J'avais fait ce truc en Kamina. Oh bah bon voilà, Chronostorm. Allez, vas-y, c'est parti. C'est Ça parti. joue contre le Storm. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc voilà. Exceptionnellement, comme il y a lui qui est avec moi, comme il y a le Sonic Feufeu ou Shin, ça dépend. Shin pour les intimes, je dirais. Et il va me poser les questions du hashtag Tartiflette, donc c'est super. Super, hein, il est gentil, hein, il est gentil. Donc oui, voilà. Ah mais c'est toi qui es gentil en vrai, tu me laisses m'incruster dans tes vidéos comme Ouais, ça. mais... Ouais, c'était une idée magnifique de te ramener dans les vidéos, parce que bon, ta voix et ta présence enrichissent et font de cette vidéo une vidéo encore meilleure. Exactement. Exactement, tu vois. Voilà. On va commencer par un petit... Je vais faire le truc, je vais essayer de faire le plan parfait là. Tu vois le truc qui booste ton tir. Point parfait. Dès le début du match, il s'en bat les couilles. Bon, les couilles. Et ça invoque des Kenshin dès le début. T'as vu. Mais c'est pour le Qui plan. dit du Shinsuke? Ah bah oui, c'est Chronostorm. Ben oui. J'allais dire, t'es malade d'utiliser ce perso? Tu vois, c'est ça le plan parfait. Mais oui, mais t'as joué toi du coup à machin. Bah oui, j'ai joué à Chronostone. T'as joué à Chronostone. T'as mis du temps, mais t'as joué enfin à Chronostone. Ouais, j'ai utilisé ce truc contre... Comment s'appelle l'équipe finale déjà? Reza ou je sais plus quoi. The Lagoon, pardon, excusez-moi. Je sais pas à qui je ne l'ai pas passé en fait, la balle. Il Parce a qu'il faut. totalement un chu. Parce qu'il faut la passer à tous les personnages. Ah, pour que ça fasse un tir encore plus puissant. Ouais, Ah là tout à là. fait. Bon, bah je vais commencer à lire le tartiflette là. Gros grosse tartiflette. Morgana Kojou, hein, je ne sais pas qui c'est. Demande pourquoi t'as appelé ton disque dur Waifu Land. Je sais que t'aimes les waifus, Oh putain, mais je à suis ce point-là. baisé. Ah, je suis baisé. Ah, je suis baisé, sa mère. Baiser. Je suis baisé. Tout à fait baisé. Parce que je dois utiliser Shiny Phase. Ah, je peux pas passer juste avec mon esprit guerrier. Du coup, je profiterai. Putain, il m'arrête avec Deep Jungle, ce bâtard! Deep Jungle Oh en non! T-Max. Oh non! Mais c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Kinako qui va m'arrêter aussi. Oui, bon, qu'est-ce qu'elle demandait? Pourquoi t'as appelé ton disque dur Waifu Land, simplement? Parce que en fait mon disque dur pour l'instant il y a que justement des dossiers avec genre des animés, des trucs comme ça que j'ai regardé, des séries américaines aussi, mais en fait ce que j'ai fait c'est que moi j'aime bien pour mes dossiers mettre des petites icônes, tu vois. J'aime pas juste genre laisser l'icône de base. Je sais pas s'il y a hors jeu. Non, il y avait pas hors jeu. Donc moi j'ai mis des icônes pour mes dossiers, et donc j'avais que des waifus, et du coup j'ai appelé ça Waifu Land. Du coup voilà. Ok. D'ailleurs, Next. ton disque dur, il fait combien de mémoire? Il a combien Attends. de gigas plutôt? Je vais te dire ça. Il fait 2 TB, mais bon, c'est Tera, ouais, c'est beaucoup. l'enculade des disques durs, quoi, tu vois. Ouais. C'est, ils te disent 2 Tera alors que t'as au Alors qu'en final vrai, t'as 1000 Tera, quoi. t'as 1,800 de Tera, allez, 1,8 de Tera quoi, tu vois. Allez, Ouais. please passe le. Ah, oh non, il m'a arrêté. Alors, prochaine tartiflette, tu pourras jouer Arata un peu, s'il te plaît. Ben, c'est ce que j'ai fait en fait, je l'ai mis Arata dans mon équipe là. Donc Voilà, voilà, j'avais des. ta question Voilà. a été répondue, Tout à tout fait. simplement. Tartiflette, oh, cette orthographe, oh là là! De quoi? Oh là là, cette orthographe de la prochaine question. C'est Est-ce laquelle? que...
Van et Heroes sont disponibles dans Chronostone. C'est le meilleur attaquant, non? Non, alors non, c'est absolument pas les meilleurs attaquants, mais ils sont présents, ouais, dans Chronostone. On les aura peut-être le 25 décembre. Pour la Noël. C'est cool, hein. C'est bien de sortir des DLC à Noël. Mmh, t'as vu. J'ai l'impression que ce sera la même chose avec Smash, mais on va pas trop en parler. Avec Smash, mais ce sera peut-être le 15, non? Peut-être directement non, le 15, après c'est le live. C'est le direct. Ouais, mais bon, la dernière fois c'était live et puis directement après on avait eu Roy. Ouais, j'avoue. Roy, Ryu, Roy et Ryu Lucas. Et Lucas. Non, c'est pas Ryu, c'est Ryu. Arrête de faire le front. Lui, il a fait 2800 ce Shinsuke, mais c'est une merde Shinsuke normalement. Ça a toujours été, soyons honnêtes. Mais putain, mais comment il arrive à faire autant? Y'a rien qu'à voir son nom en VF, tu vois. Jean-Pierre. Putain de merde, quoi. Jean-Pierre. Et après, y'a des gens qui osent dire qu'ils aiment la VF. Encore à l'époque de IE2, je peux comprendre, tu vois. IE3, même. Mais pas Chronostone, please. Jean-Pierre Lapin. Encore heureux qu'ils aient gardé le nom de Zanark, tu vois. Parce que s'ils l'avaient appelé autrement... Pourquoi? Bref, passons à la prochaine tartiflette. Tartiflette, tu ouais. Feras un let's play sur Danganronpa. J'arrive jamais à prononcer cette série. Pareil, Danganronpa. Alors que j'ai maté l'animé, tu vois, qui est cool d'ailleurs. J'arrive jamais à prononcer le nom de cette série. Non, je ferai pas, je crois. Put, please, Marc. Putain, Shinsuke. Ah, non. Mais cette technique a été craquée dans Strikers. Ouais, avec son armure. Toby Jump. Avec son armure. Mais là, en fait, j'utilise Arata qui est pas très efficace contre lui. Qui a justement la faiblesse. Putain, j'ai joué comme une grosse merde. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ce que tu viens de faire, quoi. Ouais. C'est un truc bizarre. Ouais. Je suis de rattraper. Aïe, aïe, aïe. Je me gratte 2 secondes, attends. Non, pas à l'endroit où tu penses. Mais, est-ce que j'ai dit quelque chose? Oui. Tu l'as non, pensé, tu l'as pensé très fort et du coup je l'ai entendu jusqu'ici. Je l'ai pas pensé du tout. Je l'ai entendu jusqu'ici. Zanark a le parlon et Zanark va perdre la balle. Ouais, t'as vu. Attends, regarde le score que je vais faire contre lui, ma gueule. Regarde un peu. Allez, vas-y. Une technique, une bête technique, 47 TP. Bon, voilà. Easy, 2240. Ah ouais, moi je me souviens, ton Zanark, il avait... Putain, comment il s'appelle ce Kishin, putain. Ah, j'ai oublié le nom. Oui, je tryhard avec... Shumaji Nevas, voilà. Ouais. J'avais. Mmh. Et il faisait du 2000, j'étais choqué la première fois. 2000? Que du 2000? Non, c'était pas que du 2000, c'était du 1000... 10 000 ou un truc ouais, comme ça. Ouais, 10 000. Ouais, 10 000, 2000. Mais qu'est-ce que j'ai pu mettre encore? Bref, passons à la prochaine tartiflette. Ouais. Alors, j'ai peur. Est-ce que Mistral est un bon défenseur dans CS? J'ai envie de dire tous les personnages sont bons, donc arrêtez de me demander si les joueurs sont bons. Donc voilà. Non, ça c'est surtout dans Galaxy. Dans Chronostone, tous les d'après, joueurs sont d'après bons. Les gens qui parlent, hein, les gens sont... Tous les joueurs peuvent être bons dans Galaxy. Et dans après, il y a les God Tier, ce qui est autre chose. Ouais, t'as les God Tier. Comme Konoha, là, qu'on voit. Cette oui, regardez. Petite naine avec regardez. Des cheveux verts. Regardez 2 secondes. Kira Kira Illusion. Kira Kira 2151. Même pas niveau max. Easy. Bon, est-ce que Arata tu vas marquer? Arata! Est-ce que tu vas enfin marquer un but? Espèce de petite merde, va. Non, il a juste les désavantages élémentaires, c'est différent. Big Bang! Big Bang. Bon, next. Next question. C'est qui ton remplaçant aux cheveux rouges? Il est connu, mais j'ai pas compris qui c'était. Mon remplaçant aux cheveux rouges? Ouais, et il y a Morgana qui a répondu à la question juste après. Ah, c'est Arata. C'est Arata de Dumbballs. De Dumbballs, c'est qui? Alors, la prochaine question. Shin? J'ai pas compris comment... Shin, regarde mon écran. What the fuck, c'est passé quoi là? Il a freeze. T'es sérieux? Mon jeu a freeze. Bon ben on se retrouve dans 2 secondes. What? Alors, bon, ben, tu me dis quand ça recommence.
Ça se trouve, ça a déjà recommencé. Bah, j'ai déjà relancé, mais je l'ai pas encore. Allez, je vais couper en montage, quoi, tu vois? Ouais, tu vois. Montage, la base, Windows Movie Maker, tout ça. Bon, ben, re tout le monde, c'est reparti pour le match contre Chronostorm. Ah, et on va plus utiliser Arata qui fait bugger la console et qui est pas très efficace contre Arata. Merde. Tellement puissant que la console. Oui, tellement puissant que la console a crash, tu vois. Bon, on va mettre Chu et du coup, on va retenter le plan parfait encore une fois, je suis fou. En parlant de plan parfait, Franky Sama demande, j'ai pas compris comment ils ont pu utiliser ton propre plan parfait. Ah oui, c'était bizarre. En fait, j'avais fait plan parfait, l'ennemi avait rattrapé la balle et ils avaient gardé la puissance de mon plan parfait. What? Je te jure. Je te jure. Okay. C'était fou. Bon, c'était drôle et j'ai arrêté facilement avec mon endo craqué. Bon, ceux-là, on les a déjà tous vus. Les jeux, c'est pour ça que c'est le héros principal. Ouais. Le héros. Et après, ça devient l'entraîneur du héros. Tu vois, après, genre, juste après, quand... Dans Inazuma Eleven Go-Go, tu vois, Tenma deviendra l'entraîneur du héros. Voilà. C'est ça, Go-Go, Inazuma Eleven Go-Go. Date non, quoi. Pas, c'est pour bientôt, ça, on le sait tous. Ouais, ouais. Ah, la fameuse question, oui, voilà la question que j'attendais le plus, tu vois. Emma, est-ce que t'es prêt? Ouais, vas-y. Quand il a sorti Inazuma Eleven Go Galaxy en français? Putain, mais je sais pas. Je sais pas. Laissez-moi tranquille avec ça. Ah, c'est la meilleure question au monde. Franchement, tu ne peux pas faire mieux. Vaut-il le coup d'augmenter la maîtrise pour un attaquant en baissant la défense? Je dirais plus l'inverse. Honnêtement, le dribbler avec un attaquant, c'est juste tellement... Oh putain, pourquoi il est hors jeu lui? Non! Putain, Chu! Putain, Chu! Mais vas-y, mais nique ta race! C'est la faute de Chu, c'est la faute de Tenma. Ouais, okay. Genre le mec il est juste en Mixumax et c'est sa faute quoi, tu vois? C'est tout le temps sa faute! C'est tout le temps sa faute. Inazuma Eleven Go Galaxy, que ce soit une merde, c'est de sa faute. Ah putain. L'anime qui habite, c'est de sa faute. Ah mais Galaxy, l'anime, franchement. Non mais le jeu est bien, mais l'anime, c'est une grosse blague quoi, tu vois. Est-ce que tu l'as fini même l'anime? Honnêtement, il y a certains épisodes que j'ai même pas regardé. Ah ouais, tant mieux. J'allais dire, t'as du courage. Hein. Moi j'ai arrêté à l'épisode 15, après j'ai... J'ai regardé les quelques derniers épisodes, tu vois, pour voir comment ça finit. Non, non, mais... La meuf aux cheveux noirs, là, je comprends pas. Elle dit « Warp !» Hein ? La meuf aux cheveux... La fin, là. Tu sais, quand ils vont se téléporter, là. Hein ? La tu meuf, vois, là. J'ai tellement pas regardé que je vois même pas... C'est dark, là. What ? Il fait du 2000 ! Merde, rip. RIP. Laisse tomber ce dont je parlais là. Mais non. Mais non. Mais tu peux pas juste. Mais non. Mais c'est pas possible. Bon ben... Ndou craqué qui se fait battre par Zanark craqué. Vous savez quoi, j'ai raté mon plan parfait. On va faire quelque chose. On va annuler ce match. Des conseils pour une bonne team sur Inazuma. Alors là, cette question est... Ça, je... Bah Emma répond. De quoi? Des conseils pour une faire une bonne team sur Inazuma. Tu joues qui tu veux. Tu prends, tu vas dans l'index, tu regardes les joueurs que t'aimes bien et tu joues avec eux. Et tu mets des Mixmax genre Varane, Zanark, des Mixmax OP quoi. Va sur mon forum pour voir la liste des personnages qui ont justement les techniques genre ouais super technique et tout quoi ma gueule. Donc voilà, un plaisir. Je viens de remarquer que ça a recommencé le match. Voilà. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Putain, il fallait bien sûr que ce soit quand j'invite quelqu'un qui ait tous ces trucs relous qui arrivent, quoi.
Ah, bien sûr, c'est les théories du complot de du hasard. Ouais, pauvre Sonic Feufeu. Pauvre Shin. Alors, en fait, en manga, tu connais quoi à part Inazuma Eleven et Dan Barnes Senki, qui d'ailleurs n'est pas excessivement un manga. Et sinon, moi, je joue Strat sur Hyogo Chronostone. C'est pour... c'est qui les meilleurs, pardon, les attaquants? Réponds pas. Me réponds pas. S'il te plaît. Non, dis-le-moi, STP, merci. What the fuck? Faut comprendre, c'est pas Shin qui sait pas lire, c'est juste la personne qui n'a pas bien écrit, ok? C'est pas qu'il a pas bien écrit, enfin si, il y a quelques fautes d'orthographe, mais il a écrit d'une manière bizarre. Ouais. Ouais. Ouais, en gros, est-ce que tu connais d'autres mangas par Io et Dan Barnes? Des attaquants sur Io, je crois. Voilà. J'ai regardé vite fait Kuroko no Basket. Sword Art Online, Amnesia, Got Eater, comment que ça s'appelle, Fate Stay Night, un autre dont je donnerai pas le nom parce que je veux en parler dans le top 10 waifu. Et voilà. Tu vois le truc où il y a comment te dire sans que les autres ne comprennent, tu vois. Le truc où il y a le même perso du nom d'un perso de SF qui revient dans SF, une blonde dans SF. Shin. Oui. Au pire, c'est pas grave, tu vois. Et Anno à zéro, et sinon c'est à peu près tout. Sinon, je connais les trucs de base, genre Fairy Fail, One Piece, comment que ça s'appelle, hein, One Piece, Narulol, Please, dis pas ça devant moi. Putain, je me suis fait avoir en duel avec Kirino. Tu passes pas, c'est impossible. Mais oui. You shall not pass, bon, ben, on va quand même essayer, ma gueule. Non, mais... Dis pas Narulog devant moi s'il te plaît, tu sais très bien ce que je pense de Naruto. Enfin, après Pain, tu peux dire Narulog, tu vois, mais avant, non. S'il te plaît, Akuryu, passe. Non, putain, j'ai envie de reset encore. Mais Kirino, il peut pas passer. Kirino, c'est... Tu peux pas le passer, c'est simple. C'est la waifu transsexuelle d'Inazuma. Ah, le bâtard. Et ça recommence encore le match. J'en ai rien à foutre. Ma gueule. Elle veut rien dire. Cette vidéo, elle veut rien dire. C'est le craquage. Alors, la saga Inazuma est finie par level 5. Question de tartiflette, hein, bien sûr. Ah oui, mais non, mais il y en avait même un autre qui avait posé les meilleurs attaquants. Bon, ben, Gamma, Zanark, Burn, Gazelle, Axel adulte niveau stat. Sinon, il est merdique. Tu, Oog... Vie, je sais pas si c'est un bon attaquant reconverti, mais bon voilà, on va quand même le dire. Je sais pas, moi, des trucs comme ça, une couille pareille. Putain, en fait, j'ai l'air vraiment d'un gros débile qui sait pas utiliser plan parfait. Hein. Alors que hors vidéo, je le réussis à chaque fois. Hein. C'est le stress de la vidéo. Ouais, même une fois en live récemment, je l'avais fait. Mais j'ai pas sauvé. Non, mais même j'ai déjà essayé plusieurs fois dans les précédentes vidéos en fait. Mais j'ai raté. Et une fois dans le live, bon après j'ai eu ma sauvegarde qui a bugué malheureusement. Enfin j'avais pas sauvegardé, hein, c'est pas elle qui avait bugué. C'est juste que moi j'étais un tardos qui a pas sauvegardé. Et du coup ouais, je sais pas. Sinon c'était quoi la question? La saga Inazuma est finie par level 5. Mais tu vois, le pire c'est que j'ai répondu peut-être dans la vidéo juste avant. Donc, c'est peut-être fini. Peut-être pas, peut-être oui, on sait pas. Ah là là. Ah là, c'est bien, c'est super. Mystère. Alors, il y a une question, il n'y a pas hashtag tartiflette dessus, mais je vais quand même
la Nier, c'est quand la comparaison des versions Chronostone et Galaxy. Putain, mais ça aussi j'y ai répondu. Bordel. Ah bon, ok, bah moi je savais pas, tu vois. Non, mais non, c'est pas toi que je critique, mais c'est les gens qui posent les questions, tu vois. Mais quand les jeux seront annoncés, bordel. Parce que là, je vais pas le faire. Bon, enfin. Putain, enfin. Regarde le bug. Merde, non, je veux pas passer en armure. Regarde le bug. Regarde combien ça me coûte de caper. Pourquoi ? Regarde. Mais c'est en armure, non ? Non, regarde combien ça me coûte. 3. Ouais, 3. Regarde combien ça... Et j'ai 250 de caper, hein. Regarde combien ça va me vider. Regarde combien ça va... Voilà, tout est parti. What ? Et tu fais du combien ? 80... Attends, je vois pas à cause du truc. 87 000. Oui. Putain, mais Shinsuke, t'es mort, hein, tu sais quoi. Tu sais que tu meurs, là. Tu ne vis plus, tu n'es plus humain. Comment ce truc, il est pété ? 87 000. Oui. Problème. Putain. Bon, c'est cool. Mais maintenant, il me sert plus à rien. Et dire que moi, je suis content quand je fais du... du 1000 sur... Chronostone. Mais bref, on va pas en parler. T'es content? Ouais, mais en fait, on peut pas comparer Chronostone et Galaxy. Ah là là. Vois-tu? Donc, je ne sais pas. Liquito Flow. Si tu... Attends, pour tu mets pas de musique, de la musique en fond... Ça devrait être amusant, non? Okay. Tu sais que ce quête m'a demandé la même question dans la vidéo juste avant et que je lui avais répondu. Je bon, te bah, jure. Mais je vais répondre. Ah, mais c'est peut-être parce que en fait j'ai eu le bug et que je lui ai peut-être pas répondu. En fait, ce qui se passe, c'est que ça me prendrait du temps, je devrais voir quelle musique il y a des droits d'auteur, quelle musique il n'y a pas de droits d'auteur, je vais trouver une musique ou bien assez longue pour la vidéo, ou bien la raccourcir, ou bien faire ci, ou bien faire ça, c'est un peu casse-couille, du coup ben je le fais pas, tout simplement. La chaîne d'un noir, hein, quelqu'un que tu connais très bien. Oui. Putain, il a fait un coup critique ! Ouais, j'ai vu ça. Que non de la nouvelle génération YouTube, Gloria, Atonine, un panda moqueur. J'en connais aucun de ces gars-là. Sans déconner, j'en connais aucun. C'est les nouvelles générations YouTubeurs, tu vois. C'est le futur de YouTube, attention. Attends, il m'a pas mis dans la liste. Quoi? Il t'a pas quoi? Il a parlé des nouvelles générations de youtubeurs, il a même pas parlé de moi, frère. Il a même pas parlé de moi, frère. Ouais, vas-y, ma chaîne YouTube, elle est meilleure que la tienne. Ouais, t'as quoi? Ouais, je connais ça, t'as 100 000 abonnés, t'as même reçu la YouTube plate et tout, tu vois, le truc que les youtubeurs... Ah, t'inquiète, là, je te fais... En vrai, c'est moi qui te fais de la pub, là. Quoi? Ouais, c'est ça. Ah là là. C'est moi l'invité, en fait, tu vois, dans l'histoire. Que signifient les messages apparaissant en bas de l'écran tactile pendant les matchs? C'est par rapport aux souls, par rapport aux esprits guerriers. Bah, par exemple, dans Chronostone, quand un personnage perdait son armure d'esprit guerrier, il y avait carrément toute une scène avec, et genre on le voyait perdre et s'écrouler par terre en n'ayant plus son esprit guerrier. Avec la souffrance et tout. Avec la souffrance. Et sur Galaxy, en fait, ils mettent juste un petit texte, genre l'esprit guerrier est parti et c'est bon. C'est beaucoup plus simple. C'est bien, ça te coupe pas en plein match, tu sais, pendant que t'es en train de faire une action importante, tu sais, c'est les dernières secondes du match, tu dois égaliser et tout. Ouais. Il y a une putain d'animation qui vient se mettre devant. Et ça prend du temps en plus, hein. Ça prend du temps sur le compteur. Tu rates ton action. Tout à fait. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Ouais, tout à fait. Ça m'est déjà arrivé aussi, ça. Oh putain, un curieux qui souffre. Arata sortira dans Chronostone. Non. Chronostone, hein. Pardon. Nope, nope, nope. Et encore une fois. Nope. Nope. Combien de temps dure l'histoire sur Inazuma Go Galaxy sur 3DS? Comme Chronostone, je sais pas précisément, mais c'est à peu près comme Chronostone. Donc voilà. Tu vois, j'ai fait du 87 000 et là je fais du 2700 et je suis content. Oh, regarde cette technique!
Ginga no Ketto! Et après, la balle, elle tombe bêtement dans le but. Et pourtant, après, ça fait genre encore un bon gros poulet de canon, quoi. Tu vois, le truc pas cohérent, quoi, tu vois. D'accord. Dans l'animation de Ginga no Ketto, tu vois le ballon tomber tout doucement et puis t'as boum le goal. Tu vois, genre, elle passe la ligne du but et en une fois, elle réaccélère, tu vois. Juste pour bien défoncer les filets. Juste pour bien défoncer les filets, tu vois. Les filets, d'ailleurs, qui ne se défoncent pas dans Inazuma. Ouais, t'as vu. Les tirs soient en feu. Ouais, alors c'est que... ça. Les alors trucs qui brûlent pas. Les champions, les tirs, ils sont pas en feu. Enfin, si, je crois, il y a des tirs en feu, des fois. Mais genre, le tir de l'aigle, il tire... les filets, ils se cassent. Ouais. À l'aise. Et ça termine sur le public. Et le public ouais, a les couilles défoncées à cause du ballon en feu. Calme. À l'aise. Après, on peut parler d'Olivier Tom, tu vois, mais voilà. Ah, mais Olivier Tom, c'était bien. Il ne faut pas commencer le débat, Olivier Tom, parce que... Olivier Tom, que je dis que c'est bien, mais j'ai jamais regardé. Et... Voilà. Ah, va te faire foutre. Pourquoi tu regardes Dieu, tu regardes pas Olivier Tom. T'es pas vrai, toi. Tout à fait. J'en ai rien à foutre, frère. Putain. Non mais c'est trop vieux, moi j'aime pas les animés vieux. Allez, enfin vieux, qui date quoi, tu vois. Moi j'aime bien les trucs en 1080p, 1080p, Blu-ray, rip, truc si t'as vu. Ah les qualités trop... La qualité, tu vois. Oh putain, il m'a passé alors que j'étais en esprit guerrier. Oh putain, ça maman. T'inquiète, tu auras bientôt Olivier Tom remake. Pardon. Blu-ray, tout ça. Oh, Bicycle ouais, Sodo ouais. Putain, il fait mal. Bon, là, pour évoluer les techniques en Go et en Infinity, il faut des manuscrits, mais on les trouve où? Sur des matchs. Il faut battre des équipes. Le jeu du farm, quoi. Le jeu du farm. Répulsion. Répulsion. Et en japonais, c'est Rejection. Donc voilà, tout simplement. Les personnages qui sont sur ton fanart, pardon, est-ce qu'il y en a qui font partie de ta team sur la version française? Ah oui, fanart. Faudrait que je le vois déjà, mon machin, mon fond. Tu vois, le mec, il se souvient même pas du fond de la vidéo. Alors, il y en a un, deux, trois... 4, il y en a 4. 10. Il y en a 4, il y en a 4, il y en a 4. Il y en a 4, il y en a 4 dans l'équipe de base. 2 garçons. Non, 3 garçons et une fille. Ouais, c'est ça. 3 garçons et une fille. C'est tout à fait okay. Ça. OK, c'est complètement legit. OK, OK. Saiki Kibo. Oh putain, regarde Konoha. Konoha craqué. Non, vite. Non, elle est à zéro. Non, Konoha est à zéro. C'est la fin du match. Ouais, c'est à la fin du match, j'ai perdu. C'est beau, GG. GG, well played. Si Konoha à zéro, ça veut dire que c'est perdu. Hein, perdu. C'est perdu, c'est mort, c'est... Voilà. Tu veux bien faire Big Bang Slash avec Hiro Stop? J'adore ce titre. Big Bang Slash avec... Ah bah oui, après ça, je le ferai. Level up. J'ai Shin Saikyo 11 Hado, enfin. Saikyo 11 Hado. Et voilà, Shinsuke qui se prend le but comme une grosse merde. Super, super, super. Bon, il reste encore des questions ou bien ça va? Oui, il reste des questions. Je oh, pff, encore. Encore, ah, mais... Tu as des... Vrai fan. Ah, moi des vrais fans, attends. As-tu une petite copine et qui est ton meilleur joueur Inazuma de tous les Inazuma, bien sûr. Déjà, je réponds pas à des questions privées, je suis désolé, je l'ai déjà dit, je réponds pas à des questions privées. Privé comme ça. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? Qui est ton meilleur joueur Inazuma, tous les Inazuma, bien sûr. Le meilleur joueur ou mon joueur préféré? Ton meilleur joueur, donc je pense que c'est le joueur préféré, tu vois. J'aime bien Fei, j'aime bien Hiroto, et j'aime bien, comment qu'il s'appelle, Eric. Ah. Et ouais. Alors, il y a un mec, il a mis Tartiflette, mais c'est même pas pour poser une question. C'est pour dire MDR, le dernier goal.
Mais c'est bien, hein. Emma, pourrais-tu continuer le jeu Pokémon Eternal Gator? Ah, ce jeu! Ce jeu, merci d'en parler. Alors en fait, ce qui s'est passé... Attends, Big Bang Slash. Je sais pas si je l'avais déjà expliqué, mais en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais enregistré le jeu, et le jeu de base, c'est une toute petite fenêtre, c'est fait dans RPG Maker, je crois, je suis pas sûr, et en fait, tu peux pas agrandir la fenêtre. Du coup, moi, je m'étais amusé à enregistrer avec Camtasia, et en même temps, utiliser l'application Loop dans Windows 8 pour justement agrandir mon écran. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis aussi la loupe sur mon enregistrement Camtasia, du coup t'avais juste une toute petite partie de l'écran qui était gardée dans l'enregistrement et du coup c'était mort quoi. C'est beau, franchement c'est très beau. De quoi c'est beau? Ah mais c'est moyen d'enregistrement de vidéo. Ah ouais tu vois. C'est strat franchement. Strat, et du coup est-ce qu'il continue le let's play ou pas? Ben non, non. Ah c'est bon, let's play annulé. Voilà. Let's play annulé. Oh RT si t'es triste. RT si tu es triste. Oh là là cette question. Oh là là. Referas-tu des vidéos sur IE3? Non. Coucou, c'est Emma11 pour une vidéo sur Innocent Moi 11.3. Oh là 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 là. Nostalgie. Vous avez vidéo Nostalgie. Coucou. C'est Emma11 sur Minecraft. Non, c'était coucou. Pourriez-vous... Ah non. Aria en capitaine du futur Kaminari? Oui. Question posée par Saku. Saku. Sakurami. Hai, wakarimashita. Arigato. Next. Arigato gozaimasu. Tosakarin waifu. Hai, wakarimashita. Tosaka. Tosakarin waifu. Hai. Seba. Seba no master. Acha no master, Tosaka nin waifu. Actuellement en train de découvrir la véritable personnalité de cet homme. Oui, tout à fait. Je spam les Tosaka nin waifu. Même dans la vie. Me dire comment avoir un beau coach. Même des jeux vidéo, il demande. Même dans des vidéos IRL, dans les vidéos IRL, qu'est-ce que je raconte? Même dans la vie IRL plutôt. Pas les vidéos, je sais, il y a V, I et E dans les mêmes mots, mais bon, voilà. Même dans la vie IRL, moi je parle à des gens, je fais genre « Wesh, Tosakaline, moi, il fut raï !» Ok, j'imagine pas, t'es, comme tu m'as dit, que tu traînes avec pas mal de noirs, tu vois, j'imagine pas leur réaction, tu vois, quand tu leur dis ça. Après, mais tu vois, tu regardes les mangas, je peux, ils peuvent comprendre, mais là. Mais il y en a un qui regarde justement comment que ça s'appelle, le truc de boxe là, c'est. Ouais, voilà, tu vois, j'étais en train d'hésiter entre ça et Boku no Pico, tu vois. Mais va te faire enculer. Ça ouf. Mais Ico et Pico, c'est quasiment la même chose, wesh. Ouais, va te faire poudre. Oh putain, tu parles de ça en pleine vidéo, quoi. Ça met pas de respect. J'espère que ça sera. Attends, chier, toi, c'est un petit bruit, un petit bip, tu vois. Là. C'est mieux que l'animé que je t'ai passé là tantôt. Ouais, c'est l'animé. Même dans le titre, c'est déjà. Ah merde, mais vas-y. Ok, c'est bon. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Ouais. À quand le Kaminari Challenge? Bientôt. Je dis ça depuis 3 mois, bientôt. Mais ouais, je sais pas. Cette question, elle est magnifique, je te jure, mec, cette question. Ah, j'adore cette question. Qu'est-ce qu'il y a? Feras-tu un let's play sur FIFA 16? Un let's play sur FIFA 16? Comment c'est possible de faire un let's play? Ouais, bon, bah, mode carrière. Ouais, mode carrière, je sais pas. Non. Faut déjà que j'ai FIFA 16. Si un abonné bien généreux veut m'offrir FIFA 16 sur PS4, je ne refuserai pas. Non, je déconne, hein, bien sûr. Mais non, j'ai pas FIFA 16 de toute façon. Et... Je perds pas trop d'argent avec FIFA 16. Prends NBA 2K16 et puis. Quoi? NBA 2K, il est mieux là. NBA 2K. FIFA 16. NBA, le basket. Ah, le basket. C'est NBA. Le basket. Kuroko. Oh, tu peux entrer dans la zone dans Touquet Basket là. Non. Mais non. C'est ouf ça. Tu vois, t'as genre le truc. Tu vois, c'est qui de nouveau? Comment il s'appelle de nouveau ce joueur? LeBron James.
T'as LeBron James, tu vois, qui rentre dans la zone et qui fait, en 2 secondes tout le terrain, qui fait boum, et puis il est déjà dans le devant le truc, il va faire un dunk. Tu vois, non, il a encore le temps. En 2 secondes, il a le temps de faire une passe. Puis t'as genre un joueur qui a le même pouvoir que Kuroko, il fait la passe directement, il fait un, il fait un alley-oop directement, tu vois. Ah putain, mais Kuroko, j'ai pas fini, hein. J'ai toujours pas fini d'ailleurs. Moi je l'ai fini, connais, mais j'ai... Je connais la zone, tout ça et tout, mais je suis encore à l'épisode 4, donc voilà. Moi j'ai... Épisode 4, quoi. Moi je l'ai fini, mais il y a genre plein d'épisodes que j'ai pas regardé, tu vois. J'ai genre fait, cet épisode m'intéresse pas, je passe au prochain, tu vois. En mode rien à foutre. Moi j'aime bien la fille aux cheveux roses dans Kuroko. Je suis fille aux cheveux roses. Oui. Ah oui, celle avec les gros seins. Parce que j'ai parlé de ça, je lui dirais, ah oui, celle avec les gros seins. Quand je vous dis que vous découvrez la vraie personnalité de cet homme. Putain. Bref, salut Emma, pourrais-tu me conseiller un bon joueur en attaque et en go de STP? Pardon? Pourrais-tu me conseiller un bon joueur en attaque et en go de STP? En attaque, sur Chronostone, tu joues qui tu veux, mais si tu veux absolument un joueur, je dirais Gamma, Michimax Zanark, ou Burn, Michimax Gazelle. Une couille pareille, quoi, tu vois. Attention, il va faire combien? 2300, il fait du 2300. RIP. Ah non, je fais du 2400. Easy. Oui. Je cherche un Michimax pour Goldie. En attaque, qui ne soit pas moche, ok. Déjà de base, Goldie est moche, donc comment tu veux faire? Ouh, ça trash talk. Non, je déconne, Goldie, elle est choupie. Surtout en Michimax avec Master Dragon, elle est choupie. Après, un bon Michimax pour machin et qui soit pas dégueulasse. Je sais pas. Va sur mon forum et va regarder la liste des personnages qui ont super technique et donne-toi à fond. Sinon, il y en avait un qui avait posé une question sur les entraîneurs. Tu dois juste voir un peu ce qui te plaît dedans et puis voilà quoi. Regarde un peu ce qu'il donne comme boost et voilà. Moi j'ai pris celui-là parce qu'il booste la technique suck out qui est bien. Et donc voilà. Voilà. Quel est le Michimax de ton Bokaku? Bokaku. C'est Vamp. Ah. Vampu. Les persos de CS, voilà. Ouais. De tonnerre. De tous les joueurs que tu as recrutés et XP, laquelle en es-tu le plus fier de l'avoir? Konoha. What? Zanark m'a passé! Moi j'aurais dit Nurture, mais bon. Nurture? Je ne suis pas le même homme que lui. Dans CS en tout cas. Ah oui, dans CS, Nurture, c'est vrai que je la joue Nurture. Mais j'avais complètement. Alors, que vas-tu faire après Inazuma Eleven Go Galaxy FR? Alors personnellement, je sais. Enfin, j'ai une petite idée de ce qu'il va faire, mais je vais rien dire. Voilà. Comment ça? En gros, quel jeu tu vas jouer? À quel jeu tu vas faire des let's play tout ça après Galaxy en France. Ah, Galaxy, moi je pensais qu'il posait pour Chronostone, donc moi j'allais lui répondre Galaxy. Non, Galaxy. Ah, je sais pas, je ferai encore pendant un petit moment du Galaxy, et puis après je verrai bien. Mais, de base, déjà, je dois faire... Moi j'ai envie de faire en sorte que ma chaîne soit plus axée sur les actions RPG, des jeux japonais et tout. Donc voilà, c'est la voie que j'ai envie de prendre. Qu'elle plaise ou non, c'est ce que je vais faire, je crois. De toute façon, moi, tu m'avais dit la dernière fois que tu vas faire un certain jeu. Je ne vais rien dire, hein, bien sûr, mais... Avec Fireball. Oui, voilà, Fireball à 10, c'est une boule de feu, voilà. Boule de feu, ouais. À vous de trouver à quel jeu ça correspond. Ouais. Il y a encore plein de questions, mais c'est la fin du match. Allez hop, au revoir. Sérieux, il y a encore des questions? Il y a plein de questions, mon gars. Mais wesh, mais qu'est-ce qui vous a pris tout d'un coup, les gens? Allez, Ils sont des terres. Dans la précédente... manuscrit ultime pour les esprits guerriers. Quoi? Dans Galaxy. Est-ce qu'il y a des manuscrits ultimes pour les esprits guerriers dans Galaxy? Non.
Vas-tu punir Mistral et Marc après non. leur énorme heure? Est-ce que le recrutement... non. Est-ce que le recrutement est un peu chiant que dans Go 1 et Go 2? Oui. Parce que si t'as plus de pièces... Attends, je vais montrer ça directement. Si t'as plus de pièces, c'est chiant. Donc oui, c'est un peu plus difficile. Ouais. C'est un peu plus embêtant. Mais sinon, non. À toi. Next. Shin? Est-ce qu'il a... Ah, merde. Ok, donc malheureusement, je pense que... je pense que quelqu'un est rentré chez lui. Et ah. Du coup... ah non. Il est là ou pas? Attends, je suis là, semi-là. Il est semi-là. Putain, ça commence à sentir bon. Poulet curry! Poulet curry! Je veux manger poulet curry, ma gueule. Allez, mes gueules, je sais pas. Je veux manger poulet curry. Cette odeur. Oh là là. Si je pouvais vous en faire profiter avec moi. Donc voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a des manuels? En fait, le problème, c'est que moi, j'ai aussi les commentaires, mais c'est pas dans le même ordre que lui, les commentaires. Donc, on va aller voir ça. On va aller revoir Destructures. On va couper le son. Peut-être, merci. On va carrément couper la vidéo et peut-être voir... Ah, ça, c'est dans la même ordre. C'est dans le même ordre. Referas-tu? Oui, j'ai répondu. À quand le Kaminari Challenge? Vas-tu punir? Ouais, Bokaku, oui. Il y a des Keshin no Showaza sur Chronostone. Et ça marche comment, un Keshin no Showaza? Keshin no Showaza est présent sur Chronostone, mais c'est pas un boost aussi grand que sur Galaxy. Est-ce que le recrutement... oui, j'ai déjà répondu. Est-ce qu'il y a des manuscrits? Oui, j'ai déjà répondu. De tous les joueurs que tu... Et je rigolais hein, pour Konoha, c'est pas la joueur dont lequel je suis le plus fier. Je dirais que c'est plus mon... J'aime bien mon Arata parce que j'ai trouvé un beau Michimax avec Burn. C'est beau, j'aime bien. Sinon... sinon, ouais. Peut-être mon Hama qui, grâce à son TP plus 30, peut spammer je sais plus quelle technique. Je pense que c'était Kazana Drive ou Winning Logic, je sais plus. En tout cas, il peut en spammer une, donc c'est cool. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense voilà que c'était bien. Merci en tout cas à Shin, à Sonic Feufeu d'avoir fait cette vidéo avec moi. Il n'est malheureusement plus là. De rien. Ah, il est là! De rien. Ah ben merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un like dans les... Ben n'hésitez pas à mettre un like, de poser vos questions pour les prochaines tartiflettes. Et du coup, voilà. Nous, moi, je vais vous dire au revoir. Salut, bonne journée. À la prochaine. Au revoir. À plus. Ciao.